Je pense sincèrement qu'à partir de maintenant, c'est pas une vraie vidéo que je filme si je bois pas un café glacé. En plus, j'ai un bug de Paps, mais bon, celui qui est vierge avec aucun sticker, il est au lavage parce que je l'ai utilisé hier. Fait que vous allez voir la Paps aujourd'hui. Mais ouais, fait qu'à partir de maintenant, c'est pas une vraie vidéo si je ne bois pas de café glacé, ok? J'espère que vous allez l'accepter. Parce que moi, je l'accepte. Que j'aime bien boire ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tous les produits que j'utilise sur mon corps autre que mon visage. Donc je vais vraiment me concentrer sur la partie corps parce que, tu sais, je vous en parle un petit peu ici et là, mais pas assez selon moi. Donc je voulais vraiment vous montrer tous les produits que j'utilise sur mon corps. Alors, on commence tout de suite la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ok, je vais y aller en ordre d'utilisation. Ouais, je vais aller en ordre. En ordre d'utilisation, si par exemple j'irais dans la douche, ce que j'utiliserais. Alors, c'est ça, pour commencer, vous serez pas surpris, là, j'imagine. C'est le gommage doux d'eau cellulaire d'Estéderm que c'est sûr et certain que j'utilise comme exfoliant. On peut le faire une à trois fois semaine, donc il n'y a pas de problème à l'utiliser fréquemment. C'est des microbilles qu'il y a à l'intérieur, donc ça n'abîme pas la peau, ça ne vient pas stimuler notre système de défense. Donc ça, c'est un super de bon exfoliant pour ça, pour tout le corps. Mais lui, j'utilise, comme je dis, sur tout mon corps, mais plus particulièrement sur mes bras. Parce que j'ai de la kératose pilage. J'imagine que vous voyez quand même bien. C'est tous les petits picots rouges que vous voyez. J'ai une texture. J'ai pas. C'est pas lisse ma peau, dans le fond. J'ai pas une texture lisse sur mes bras à cause de ça. Puis même avec les années, la kératose a commencé à descendre sur mes avant-bras. J'ai commencé à en avoir aussi sur mes cuisses. Alors, je me suis acheté justement un exfoliant spécifique qui est fait pour ce problème-là, qui est à dire de la kératose pilaire. C'est celui de First Aid Beauty. Puis ça s'appelle. C'est un exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinée. Kératinique, oui. Avec 10% de AHA. Donc, c'est pour ça que je l'utilise, lui, plus particulièrement seulement sur mes bras. Mais par contre, je le fais seulement une fois par semaine présentement parce qu'on est l'été et des AHA, c'est ultra réactif au soleil. Donc, quand vous utilisez un produit avec des AHA, vous devez faire très, très, très attention à votre exposition au soleil. Mais en plus de ça, vous devez porter vos soins solaires sans exception. Puis, vous ne dépassez pas une minute parce que sinon, vous allez brûler. Tout simplement. Il est comme ça. C'est. Je le ferai pas sur ma main parce qu'il est quand même assez intense, là. Mais il y a vraiment comme du genre de sable à l'intérieur. Comme ça. Mais c'est ça. Donc, lui, je le fais seulement qu'une fois par semaine présentement. Mais probablement que cet hiver, je vais commencer à le faire au moins deux fois. Alors ça, c'est la partie pour avant que j'aille dans la douche, justement, parce que ça, c'est mes exfoliants. Donc, à un coup, j'ai fait mes exfoliants, pour vrai, moi, je rentre dans la douche, puis je rince tout ça là, puis que je lâche. OK? Ensuite de ça, ce que je prends dans la douche pour me nettoyer le corps, c'est des Bioderma, c'est l'huile de douche. Clairement écrit ici. Donc, j'utilise l'huile de douche de Bioderma pour me nettoyer le corps. J'ai commencé ce produit-là l'automne passé parce que je me lavais avec du Dove, puis je sais que c'était assez cher pour la peau, donc je voulais changer. Puis, chez Estéderm, ils m'ont conseillé d'acheter ce produit-là pour me nettoyer parce que justement, il n'y a pas de parfum à l'intérieur, donc si vous êtes sensible aux infections urinaires, ça ne vous affectera pas. Puis aussi, c'est très nourrissant pour la peau, étant donné que j'ai une peau terriblement sèche. Alors, celui-là, c'est vraiment parfait pour moi parce que c'est ultra nourrissant, anti-irritation, peau sensible, sèche, très sèche à irriter. Ça nettoie, ça relipide et ça apaise la peau. Je l'adore vraiment beaucoup. Puis c'est fait là, pour tout le monde. Ça va même. Vous pouvez l'utiliser sur les bébés, là, ce produit-là. Je ne sais pas si. À partir de quel mois qu'ils disent?
Il n'y a pas de moi, mais c'est écrit adulte, enfant, nourrisson. Donc, bébé naissant, j'imagine qu'ils peuvent l'utiliser sans problème. Puis, c'est ça. C'est un produit qui est visage et corps. Je ne l'utilise pas sur mon visage parce que j'utilise mon lait à ce moment-là. Alors, je ne l'utilise pas pour mon visage, mais pour mon corps, je l'adore, ce produit-là. Ensuite de ça, quand je sors de la douche, c'est sûr et certain, depuis des années, des années, des années, des années, j'utilise le Morpho Fitness. Je suis partie série. Ok, je mets fitness de l'ISO. Mon Dieu. J'ai aucune idée comment j'ai fait ça, mais j'ai dit fitness. J'ai pas dit série. En tout cas, j'utilise le Morpho Fitness quand que je sors de la douche. Lui, je l'applique sur mon ventre et sur mes fesses pour travailler au niveau de la cellulite pour les fesses. Et mon ventre, c'est vraiment pour travailler le raffermissement parce que pour vrai, c'est un produit que quand j'ai commencé à utiliser, j'ai vu une différence parce que ce produit-là, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient faire de la gymnastique à votre peau. C'est comme si votre peau s'entraîne quand vous l'utilisez. Donc, je l'utilise matin et soir. Je le recommande pas si vous avez des troubles de sommeil parce qu'il y a de la caféine à l'intérieur, donc ça stimule. Fait que des fois, il y a des clientes qui arrivent pas à dormir, puis ça peut être à cause de ce produit-là. Donc, si vous êtes de ces personnes-là, ben, utilisez-le seulement le matin. Moi, j'utilise matin et soir ce produit-là, puis je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là, sincèrement. C'est de la gym pour votre corps, fait que on aime ça. Ensuite de ça. Je serais pas surpris là. Ma crème Galbon Boost! Bien évidemment. Vous le savez que j'aime un produit, que quand je teste un produit puis que je ne l'arrête juste jamais, ça fait partie de ces produits-là. Quand il est sorti en mars, pas cette année, l'année passée, je l'ai testé puis j'ai jamais arrêté. Donc vous savez que ça marche quand que c'est un produit que j'utilise à l'année et que je n'arrive juste pas à arrêter, à me dire, oh, m'arrêter. Non, 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 ça marche, pourquoi je l'arrêterais? Donc, ça, c'est vraiment un de mes produits préférés dans Estéderm, sincèrement. Ça remonte le stock. Donc, ça, c'est un produit aussi que j'utilise matin et soir, comme le Morpho Fitness. Ensuite de ça. Pour l'instant, je suis sur l'huile cellulaire pour mon corps. C'est une huile sèche, comme j'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. C'est un produit que j'adore. T'sais, vous voyez, ça fait pas d'effet gras sur la peau, ça rend lipide. Donc, je suis là-dessus présentement, mais je sens que je suis à la fin. Pas dans le sens que je suis à la fin de mon produit aussi, là, mais je suis vraiment sur la fin d'utilisation de ce produit-là parce que je trouve que mon corps commence à manquer de lipides. Donc, je sais qu'il me reste encore une semaine ou deux peut-être à l'utiliser. Puis après ça, je vais retomber sur ma crème fondante d'eau cellulaire. Bien évidemment que vous savez que j'adore. C'est sûr, je vais recommencer très, très, très bientôt cette crème-là parce que je sens que ma peau commence à manquer de lipides. Donc, c'est le temps pour moi de recommencer ce produit-là. Mais par contre, quand on a eu la promotion des Jumbo, je me suis commandé le Duo Mix. Donc, j'ai ces deux produits-là. J'ai commandé le lait hydratant anti-relâchement parce que j'ai envie de le réessayer. Je l'ai déjà essayé, mais j'ai pas nécessairement tombé en amour avec comme tous les autres produits. Je l'ai aimé, mais je sais qu'ils l'ont retravaillé un petit peu. Donc, j'ai hâte de retester la texture, ces choses-là. Ce que je vais faire, sincèrement, c'est que je vais appliquer celui-là sur mon ventre, mes fesses et mes cuisses. Et le reste de mon corps, je vais appliquer la crème fondante. Je sais, ça peut paraître extra, mais je suis de même. Fait que on va juste l'assumer, là, sincèrement. Mais c'est parce que je veux tester plusieurs façons de les utiliser. Parce que des fois, il y a des femmes qui veulent travailler le relâchement, mais ils ont aussi de la déshydratation. Donc, on peut utiliser le lait hydratant anti-relâchement sur tout le corps sans aucun problème. Si c'est ça que vous voulez, allez-y. Mais c'est que j'ai envie de tester d'autres façons, donc d'incorporer les deux dans ma routine, mais voir la différence, puis essayer lui à 100% sur mon corps, parce que je suis habituée avec celle-là. Donc, comme je dis, je suis toujours en train de chercher d'autres façons d'utiliser les produits. Alors, c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je vais commencer le lait hydratant anti-relâchement.
Bim. C'est tout. C'est pas si pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pour moi, 8 produits, c'est quand même pas beaucoup, ok? Je les utilise pas nécessairement tous les jours, tu sais, comme les exfoliants, c'est pas à tous les jours. Ça, oui, clairement, c'est à tous les jours. Mais sinon, c'est pas mal, tu sais, ça à tous les jours. Ça à tous les jours. Puis ça à tous les jours. Fait que c'est comme 5 à tous les jours. Pas si pire. Ah, oui, c'est ma routine, fait que je fais ce que je veux. Clairement. Si vous voulez moins de produits, vous avez le droit d'en prendre moins. Mais moi, mon métier, c'est. Je travaille avec ça, donc j'ai besoin de toujours retester, trouver d'autres façons pour vous pour les utiliser. Fait que c'est ça que je fais, ok? Vous le savez maintenant. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les produits que j'utilise pour mon corps. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, juste mettre un petit thumbs up. Et on se revoit très bientôt. Bye bye! À la prochaine! Pour l'instant, je suis sur l'huile nutritive. Pas l'huile nutritive. C'est juste là. D'Urtex. De Pertex.